Le plus grand problème de la Guinée, c'est l'impunité. Cette culture de l'impunité qui gangrène effectivement la société guinéenne. Un peu plus de 3 ans en avant, la prise du pouvoir par le CNDD, notre pays, la Guinée, était en manque de dirigeants. Cela est vrai. Il ne suffit pas que les hommes soient là, mais il faut que ces hommes travaillent pour la cause de la nation. À la place du président de la République, c'est plutôt le ministre des Affaires présidentielles qui était nommé. Les clans ont été constitués autour de la présidence et la pagaille indescriptible a vu le jour dans la gestion de la chose publique. Un décret lu la nuit à 20h était annulé le lendemain à 12h. Nous avons assisté à tout cela. On se rappelle encore, Monsieur le Président, notre confrère, Maître Koundiano, avait été nommé la nuit ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le lendemain, en moins de 12 heures, ce décret a été annulé. Et pour quelle cause? Rien. Monsieur le Président, c'est pendant cette période qu'on a connu assez de remous. Des conflits sociaux. En premier lieu, Monsieur le Président, nous avons assisté à l'éclatement des mutineries dans les casernes. Les soldats réclamant le rehaussement de leur grade. Nous avons vu, Monsieur le Président, cela fut étonnant pour le peuple de voir le lieutenant Claude Pivi qui s'est fait connaître du grand public. Il arrive chez le général Lansana Conté de manière inattendue. Puis il obtient immédiatement le grade. Nous avons assisté à cela. Comment il est passé au pont 8 novembre? C'est ceux qui étaient là qui le savent. Tout simplement parce qu'il y a une certaine frustration. Il se disait qu'il est de la même promotion que le fils du général Lansana Conté et que le fils du général Lansana Conté se trouvait désormais au grade de colonel et lui, il est encore lieutenant. Devant nous, Monsieur le Président, le mandat des députés est expiré. Aucune volonté pour organiser les élections afin de renouveler le mandat des députés. Les conflits sociaux éclatent. L'intercentrale syndicale déclenche la grève et sollicite l'amélioration des conditions de travail et la nomination d'un premier ministre chef de gouvernement. Cela n'a pas été facile. On était présent, Monsieur le Président. N'ayant pas d'issue favorable, l'intercentrale syndicale obtient le soutien des partis politiques et la société civile. La grève prend une autre tournure. Les manifestations de rue commencent. Sous le regard impuissant du peuple de Guinée, en janvier et février 2007, on a tous été témoins des bains de sang de nos compatriotes qui sont tombés non seulement au pont 8 novembre, sous les balles des bérets rouges, mais aussi dans le reste de la capitale et à l'intérieur du pays. N'étant pas suffisant, Monsieur le Président, c'est l'état de siège qui est décrété, mettant davantage le peuple de Guinée dans un calvaire jamais vu. Plus de 180 personnes ont été tuées, plus de 300 blessés, des biens publics et privés détruits.
Mais Monsieur le Président, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que la procédure pénale engagée contre les présumés auteurs de ces infractions au tribunal de première instance de Dixin n'a jusqu'à ce jour connu aucune évolution. Voilà que ce sont presque les mêmes personnes qui ont commis ces crimes, ces personnes sont restées impunies et ce sont les mêmes personnes qui sont aux affaires, Monsieur le Président. C'est sous cette impunité inadmissible des hommes en uniforme, je dirais des bérets rouges de la garde présidentielle, sous ce dysfonctionnement du gouvernement qu'est décédé le général Lansana Conté le soir du 22 décembre 2008. Chose faisant, presque les mêmes personnes reviennent aux affaires. À la date du 23 décembre 2008, au petit matin, le climat politique était déjà détérioré. C'est dans ce climat que le capitaine Moussa Dadis Camara et le CNDD ont pris le pouvoir. Monsieur le Président, dans son discours programme, le président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara, a pris plusieurs engagements, parmi lesquels celui de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2009. Ni le président du CNDD lui-même, ni le premier ministre, ni les membres du CNDD ne seront candidats à l'élection présidentielle future. Tous les Guinéens ont respiré avec plein poumon. L'espoir qui semblait perdu est certainement retrouvé avec l'arrivée du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais très tôt, plusieurs de ceux qui étaient aux affaires sont interpellés, interrogés, en leur demandant de rendre compte immédiatement devant les caméras. Monsieur le Président, des Guinéens, comme ils aiment le faire, applaudissaient. Et la nuit, dès après le journal télévisé, 20h de la RTG, ce sont ces images qui animaient la chronique. Cette émission fut appelée par le public de Daddy Show. L'émission qui était devenue privilégiée aux autres fils et des séries, aux autres films, pardon, et séries, tellement que le capitaine Moussa Dadis Camara a suscité l'espoir au peuple de Guinée.